comme on a coutume de dire aux hommes, bien nés, le bonheur ou alors la réussite n'attend point le jour ni l'heure. Nous sommes dans l'enceinte du collège et lycée Raponda Walker. C'est situé dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil, mesdames et messieurs. Il faut bien le rappeler à titre d'information que cet établissement a eu à fabriquer des génies qui aujourd'hui, dans leur domaine respectif, représentent valablement non seulement la province de l'Ogooué-Maritime, la commune de Port-Gentil, mais plus précisément, sous le sens large, la République gabonaise tout entière, et on se doit de respecter cet établissement pour ses multiples efforts déployés au profit de la jeunesse gabonaise. En notre compagnie, un groupe de jeunes qui certainement vont se produire dans le cadre de cet autre numéro. Mais avant toute chose, on voudrait quand même arracher quelques mots histoire de partager avec eux le quotidien ou alors le principe de fonctionnement dans l'enceinte du collège et lycée Raponda Walker. Je préfère me retourner vers la droite, voilà. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, présentez-vous, regardez cette caméra, présentez-vous. Je m'appelle Moussa Ofana Cyril. Mm-hmm. Je suis en 4e SS. Ouais. Alors, si l'on vous demandait en 30 secondes de nous parler du lycée, du collège, du collège et lycée Raponda Walker, pour ceux-là qui sont en classe de CM2 et qui aspirent notamment à faire partie de l'effectif de ce lycée, de ce collège l'année prochaine, que diriez-vous? Je dis juste que le collège et lycée Raponda, c'est un bon collège. Mmh. On y apprend plusieurs choses. Bon, rien de spectaculaire, quoi. Voilà, merci. Et de ce côté, une dame. Bonjour à vous, ça va? Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle James Marlies. Alors, vous faites quelle classe? 5e SO. Alors, dites-nous, ça fait quand même, c'est votre deuxième année au collège Raponda Walker. Oui. Quels souvenirs gardez-vous de cet établissement? Vous y êtes encore. Mais déjà, si on vous demandait de parler, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet établissement? Le jour que je suis arrivée à Raponda. Et racontez-nous la petite histoire. Hein? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Tapez les mains très très fort pour elle, s'il vous plaît. Merci à vous, chers amis. On se retrouvera dans un instant pour la suite de la compétition. Le temps pour moi de retrouver nos chers candidats. Bonjour à vous, chers candidats. Ça va? Bonjour. Bonjour à vous, chers publics. Est-ce que vous allez bien? Ici, c'est... Ici, c'est... Merci à vous, chers amis. On va bien s'amuser pendant cette aventure. Tapez les mains très, très fort pour vous, chers candidats. On va démarrer par la présentation des différentes équipes. On commence par celle qui est à la gauche, qui porte le nom de Justine Minza, c'est ça? Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, Bills, pourquoi avoir choisi Justine Minza pour votre groupe? Justine Minza, c'est une femme qui sort de l'ordinaire. Mm-hmm. Qui a choisi de suivre sa passion, la littérature française. Voilà, tapez les mains très très fort pour Justine Minza, qui a su inscrire son nom en lettres majuscules dans le livre d'or du patrimoine culturel gabonais et singulièrement dans le registre de la littérature française. Ça mérite des applaudissements encore, cher public, s'il vous plaît, pour Justine Minza. Et de l'autre côté, nous avons un autre groupe qui paraît plus jeune, hein, ouais, qui paraît plus jeune. Le groupe qui porte le nom Georges Rahuiri. Bonjour, représenté par Carlin. Bonjour Carlin. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Alors, pourquoi avoir choisi Georges Rahuiri? Parce que Georges Rahuiri est un grand poète gabonais. Mm-hmm. Mais avant de l'être, il était un grand homme du gouvernement. Et ce qui m'a vraiment plu, ce sont ses poèmes où il parle du Gabon. Tapez les mains très très fort pour lui, s'il vous plaît. Voilà, Georges Rahuiri. Merci à vous, Carlin. Alors, mais qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous vous regardez physiquement et peut-être même sur le plan académique et lorsque vous jetez un coup d'œil sur vos adversaires, quel est le sentiment? Un fair play. Le fair play. Et surtout une détermination de gagner aussi. Alors, Bills, pour le compte de Justine Minza, vous avez en face de vous la pépinière, on va l'appeler ainsi, la pépinière du collège Raponda Walker. Pour vous, estimez-vous avoir déjà gagné même avant la compétition, vu le poids de l'adversaire? On peut dire qu'ils sont à la hauteur. Ils sont à la hauteur? Ah, donc, vous estimez qu'il y aura compétition?
Voilà, merci à vous d'être venus. Merci, chers amis. On aura la possibilité de découvrir le génie et le talent qui se cachent derrière la petitesse de vos tailles. Voilà, nous passons à la présentation du jury qui est constitué cet après-midi de M. Menzui, qui est professeur d'anglais au lycée technique Jean-Fidèle Otando. C'est un habitué de cette production. Je vous prie d'acclamer très très fort pour M. Menzui, professeur d'anglais au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Bonjour à vous, M. Menzui. Bonjour, M. Pablo. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, qu'est-ce que vous réservez à nos différents compétiteurs pour le compte de cet autre numéro de challenge? Un bon pédagogue, l'objectivité, l'équité, la justesse, voilà. Merci, tapez les mains très très fort pour M. Menzui qui est membre de jury. Et puis, honneur aux femmes, c'est la seule dame de ce trio de jury. Il s'agit là de Mme Mengue qui est représentante de l'association Awe, qui est une association qui officie dans la promotion, la protection et la préservation de l'eau. On ne cessera jamais de vous le rappeler. C'est un liquide précieux qui se doit d'être protégé. Bonjour et bienvenue parmi nous, Mme Mengue. Bonjour Pablo, bonjour à tous. Alors, vous qui êtes également habitué de ce programme Challenge Jeune, qu'est-ce que vous réservez à ces tout petits? Alors, à ces tout petits, nos enfants, nous attendons de la compétition, le fair play et surtout le challenge. Voilà. Merci infiniment. Tapez les mains très, très fort pour Mme Engue, chers amis. Et puis, pour terminer, nous avons M. François Dassis Moulungi. Il est psychothérapeute. Il travaille au quotidien pour les tout-petits et surtout les indigents du côté des services, du service social. M. Moulungi, bonjour et bienvenue. Bonjour Pablo. Une fois de plus, je suis là. Ouais. Pour dire aux... C'est votre deuxième participation à cette émission. Voilà, pour dire aux jeunes que prenez votre chance. Soyez surtout détendus. Essayez de vous exprimer le mieux possible, chassez le stress, concentrez-vous et donnez le meilleur de vous-même. Merci infiniment, tapez les mains très très fort pour M. François Dassis Moulungi. Merci également à tous les parents qui sont parmi nous, qui sont venus soutenir leur projet d'études. Je vous prie, chers amis, de ovationner très très fort pour les parents qui sont parmi nous. Tapez les mains très très fort pour les parents. Merci à vous, cher public. Ici, c'est... Ici, c'est... Ici, c'est... Merci à vous, chers amis. Retirez-vous et nous restons avec nos candidats pour le concours d'art. Voilà, merci. C'est aussi ça, la compétition. Nous y sommes avec, bien sûr, nos différents candidats. Pour le compte de Georges Rahuiri, nous avons Abraham. Voilà. Bonjour, Abraham. Alors, Abraham, le thème retenu pour ce numéro est l'importance de la tradition orale, 2 points, la langue maternelle. Que réservez-vous, non seulement au jury qui se chargera de vous noter, mais au public et bien sûr à nos téléspectateurs qui vont vous regarder à la maison? S'enthousiasme de faire ce dessin. Ouais. Le montrer à l'émission Challenge. L'importance que la langue maternelle peut avoir dans nos vies, c'est ça? Oui. Vous avez compris le sujet quand même? Oui, oui. Ok, merci. Tapez les mains très très fort pour le petit Abraham. Il n'est pas petit d'ailleurs, pour le grand Abraham, parce qu'il a le courage d'affronter Challenge Jeune, il est grand. Alors, pour le compte de Justine Minsa, nous avons Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors Christophe, le thème retenu est l'importance de la tradition orale, 2 points, la langue maternelle. Qu'est-ce que vous réservez comme représentation pour le jury, le public et nos téléspectateurs à la maison? Comme représentation, je réserve du meilleur. Une meilleure calligraphie pour que le jury apprécie l'art qui se trouve en moi et développer plus encore ce que je ressens pour la langue maternelle. Merci infiniment. Tapez les mains très très fort pour Christophe qui représente Justine Minsa. Chers amis, bonne chance à vous. On se retrouve à la fin de l'émission pour Merci. La présentation de vos représentations. Bonne chance à toi, Abraham. Tout de suite, Incollab, première série. Merci, nous y sommes. On comprend certainement que la production n'a peut-être pas tenu compte des tout-petits dans la conception de nos pépites, mais on arrivera quand même. On va commencer par ceux qui sont du côté de Justine Minsa.
Il faut rappeler que pour la catégorie Incollab, Justine Minta est représentée par Itou. Il est où, Itou? Bonjour, tu prends le micro? Itou, ça va? Oui. Alors, quel est ton état d'esprit, Itou? Je compte donner le meilleur de moi-même pour réussir cette épreuve. Le meilleur de toi-même pour réussir cette épreuve. Tapez les mains très très fort pour Itou. Jennifer également, qui est la seule voix féminine de ce groupe, Justine Minta. Bonjour à vous, Jennifer. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Quel est votre état d'esprit, Jennifer? C'est de réussir. Vous voulez réussir? Oui. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour Jennifer également. Et puis Bills, qui n'est plus à présenter, c'est le responsable du groupe. Rebonjour à vous, Bills. Bonjour. État d'esprit? Ça va. Ça va. On va se retourner vers nos amis de Georges Rahuiri. Bonjour Seranda. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, quel est ton état d'esprit, Seranda? Eh bien, je suis contente de participer à Challenge et je vais donner le meilleur de moi-même avec mon groupe. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour Seranda. Alors, Carlin. Bonjour Carlin. Bonjour. Ça va? Oui. Emmanuel également fait partie de cette équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, viens un peu là, on va bien te voir. Voilà. Voilà. Ça va Emmanuel? Oui, ça va. Quel est ton état d'esprit? Je suis content d'être là aujourd'hui et je voudrais donner le meilleur de toi-même. Le meilleur de moi-même. Mais tu restes optimiste quand même. Oui. Tapez les mains très très fort pour Emmanuel. Voilà. Merci, chers amis. On y va tout de suite pour la première question. Première question, Incollab. Les reins sont deux organes en forme de haricot situés dans la partie postérieure de l'abdomen, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Combien pèse en moyenne chaque rein? Première proposition, 300 grammes. Deuxième proposition, 50 grammes. Troisième proposition, 150 grammes. Les reins sont deux organes en forme de haricot situés dans la partie postérieure de l'abdomen, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Combien pèse en moyenne chaque rein? Première proposition, 300 grammes. Deuxième proposition, 50 grammes. Troisième proposition, 150 grammes. Voilà, merci. Proposition. Georges Rahuiri, proposition. Alors, proposition Justine Minta. 300 grammes. 300 grammes. Proposition Georges Rahuiri. 150 grammes. 150 grammes, c'est la bonne réponse. Et Georges Rahuiri marque le point. Deuxième question, Incollab, première série. Les reins filtre combien de litres de sang par minute? Première proposition, 250 millilitres de sang. Deuxième proposition, 1 litre de sang. Troisième proposition, 2 litres de sang. Les reins filtrent combien de litres de sang par minute? Première proposition, 250 millilitres de sang. Deuxième proposition, 1 litre de sang. Troisième proposition, 2 litres de sang. Voilà, merci à vous. Merci Emmanuel. Merci Bill. Alors, proposition Emmanuel. 1 litre de sang, proposition? 2 litres de sang. 2 litres de sang. 1 litre de sang, c'est la bonne réponse. Georges Rahuiri marque le point. Voilà, il faut rappeler que les reins reçoivent 1 litre de sang par minute, c'est-à-dire les 1 cinquième du débit cardiaque, qui est de 5 litres par minute. Ce sont donc 180 litres de sang qui sont filtrés chaque jour. C'est bon? Voilà. Alors, troisième question, première série Incollab. Dans quelle partie de la cavité abdominale sont situés les reins? Première proposition, au niveau des lombaires. Deuxième proposition, au niveau du coccyx. Troisième proposition, au niveau du sacrum.
dans quelle partie de la cavité abdominale, dans quelle partie de la cavité abdominale sont situés les reins? Première proposition, au niveau des lombaires. Deuxième proposition, au niveau du coccyx. Troisième proposition, au niveau du sacrum. Merci, cher monsieur. Proposition de réponse. Justine Minsa, 0 point toujours. Georges Rahuiri, 2 points déjà. Merci à vous, cher monsieur. Les réponses. Voilà, merci Emmanuel. Miss, réponse. On va commencer par Emmanuel. Proposition de réponse, Emmanuel. Allez-y, oui. Au niveau des lombaires. Au niveau des lombaires, proposition. Proposition numéro 3. Proposition numéro 3, c'est-à-dire au niveau du sacrum. Au niveau des lombaires, c'est la bonne réponse. Alors, les lombaires, parfois aussi appelés vertèbres lombales, sont des vertèbres de la partie caudale de la colonne vertébrale. Elles se situent entre les vertèbres thoraciques et le sacrum. C'est bon pour la connaissance ? On va prendre la quatrième question pour cette première série. Alors, quatrième question. Parmi les propositions suivantes, laquelle fait partie des rôles que jouent les reins? Parmi les propositions suivantes, laquelle fait partie des rôles que jouent les reins? Première proposition, ils assurent la filtration de la lymphe. Deuxième proposition, ils maintiennent l'équilibre de l'organisme en eau. Troisième proposition, ils réabsorbent le fer. Proposer la première, allez-y, vous proposez la première réponse. La première réponse, c'est-à-dire, les reins assurent la filtration de la lymphe. Et Georges Ramiri, Deuxième proposition, ils maintiennent l'équilibre de l'organisme en eau. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et Justine et Georges Ramiri marquent le point. Georges Rahuiri marque le point. On va prendre la cinquième question qui pourra peut-être vous permettre d'arracher au moins un point pour cette première série. Comment est appelée l'élimination de l'urine hors de l'organisme? Voilà, merci. Proposition de réponse, Bill. Emmanuel, merci à vous. Merci. Alors, Bill, vous proposez ? La miction. Tandis que Georges Rahuiri propose ? La miction. Et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. La miction est le terme médical qui désigne l'évacuation des urines de la vessie. Une miction est considérée comme normale lorsque cet acte, commandé par la volonté, est indolore et permet de vider complètement la vessie. Dans le cas contraire, on parle de trouble de la miction. Merci à vous. On va commencer peut-être par vous, cher ami. Votre sentiment ? On compte se rattraper dans les prochaines épreuves. Voilà. Tapez les mains très très fort pour le rattrapage. Alors, nos amis de Georges Rahuiri, dans quel état d'esprit vous terminez cette première série? On est très content, mais on veut encore faire un peu plus. On va encore faire un peu plus, taper les mains très très fort pour eux également. Merci à vous, chers amis. On va tout de suite retourner vers le jury pour le résultat, première série incollable. Merci Pablo. Alors, le jury souhaite que ce soit le public qui donne le résultat. C'est qui le gagnant? Tapez les mains très très fort pour Georges Rahuiri. Voilà. Merci Madame Mengue pour ce concept. Merci à vous chers amis, on se retrouve pour la deuxième série dans un instant. Le temps pour nous de passer à autre chose.
Bonsoir, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour le compte de ce numéro de Challenge consacré au collège et lycée Raponda Walker. C'est situé dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil. On ne cessera jamais de vous le rappeler. Et si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, sachez que c'est la deuxième saison de ce programme de jeux et de divertissements ludiques qui se propose comme étant une plateforme où les jeunes des collèges et lycées rivalisent d'intelligence, de créativité et surtout de sportivité. Et on vous rappelle que les contacts qui s'affichent au bar de votre petit écran vous donnent la possibilité pour vous qui êtes opérateur économique d'agrandir votre image de marque et ou celle de votre entreprise en vous associant à ce projet novateur qui a notamment l'ambition de se nationaliser comme Docan le réclame. Tout de suite, concours de danse. Nous allons inviter nos candidats pour le compte du groupe Justine Minsa. Nous allons inviter Orlan, Andrea, Jennifer, Daniela, Milon, Terence. C'est sous vos acclamations, concours de danse. Georges Ramuri, qui sera représenté par Oléane, Malva, Lucie, Walda. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, concours de danse. Ah,
Le Gabon est un pays riche de par sa diversité et de par sa richesse culturelle et bien sûr le talent de sa jeunesse. Tout de suite le jury pour le résultat concours de danse. Alors pour le résultat du concours de danse, l'équipe Georges Rawiri l'emporte avec une note de 9 sur 10 contre 7. Pour l'équipe Justine Minta. 9 sur 10 pour Georges Rawiri. Mesdames et messieurs, tapez la main très très fort pour eux. Georges Rawiri qui remporte le concours de danse. Mais rien n'est perdu pour nos amis de Justine Minta qui repartent avec 7 sur 10. Et tout de suite, nous prenons la deuxième série, Incollable. Voilà, nous y sommes, chers amis, avec nos différents candidats. Rien n'a changé dans les équipes, c'est ça? Voilà, on va s'intéresser un tout petit peu aux chiffres. Alors, Georges Rawiri, vous avez remporté la première série, voici donc venue la deuxième série. Avec quel état d'esprit vous revenez pour cette deuxième série? On revient avec le même état d'esprit que la première série. Ouais, c'est-à-dire l'optimisme visant notamment à remporter également cette série. Oui. Beaucoup de courage à vous. Tapez les mains très très fort pour Georges Rawiri. Et puis nos amis de Justine Minta, Bill, quel est votre état d'esprit perdant de la première série? On vient avec le cœur posé. Le cœur posé. Voilà. Tout de suite, première question. Résoudre l'équation suivante. 2 sur 9 plus 5 sur 3. Résoudre l'équation suivante. 2 sur 9 plus 5 sur 3. Merci Emmanuel. Merci à vous, Bill. Voilà. Alors, proposition de réponse, Bill, vous nous proposez 51 sur 27. 51 sur 27. Alors, Georges Rawiri nous propose 17 neuvième. 17 neuvième, c'est la bonne réponse. 17 neuvième, c'est la bonne réponse. Voilà. 2 sur 9 plus 5 fois 3 sur 3 fois 3. Jusqu'ici, vous vous retrouvez? Vous vous retrouvez jusqu'ici? Voilà. Ce qui donnera 2 sur 9 plus 15 sur 9. Hein? Ça vous donnera 17 sur 9. Deuxième question. Deuxième série incollable. Mon oncle m'offre 3 bandes dessinées par bonne note, mais il m'en reprend une pour chaque mauvaise note. Ce trimestre, j'ai eu 8 en tout et j'ai gagné 7 bandes dessinées.
combien ai-je eu de bonnes notes à résoudre sous forme d'équation. Je vais reprendre. Mon oncle m'offre deux bandes dessinées par bonnes notes, mais il m'en reprend une pour chaque mauvaise note. Ce trimestre, j'ai eu 8 en tout et j'ai gagné 7 bandes dessinées. Combien ai-je eu de bonnes notes à résoudre sous forme d'équation? C'est parti, chers amis. Proposition de réponse. Merci à vous, Georges Rahuiri. Proposition. Justine Minsa. Alors, Georges Rahuiri, c'est quoi votre proposition? 5 bonnes notes. 5. Proposition. Justine Minsa. Rien. 5 bonnes notes. C'est la bonne réponse. Et c'est Georges Rahuiri qui remporte le point. C'est Georges Rahuiri qui remporte le point. Alors, on va suivre le cheminement, chers amis. Voilà. Alors, 2x moins, entre parenthèses, 8 moins x égale à 7. Alors, 2x plus x égale à 8 plus 7. 3x égale à 15. 0x égale à 15 sur 3. 0x est donc égal à 5. C'est la bonne réponse? Vous convenez avec nous? Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour ces petits garçons, s'il vous plaît. Garçons et filles aussi, hein, voilà, pour ces jeunes. On va prendre la troisième question. Parmi les nombres suivants, lequel ne peut pas s'écrire sous la forme d'une puissance de 10? Première proposition, 1 sur 1000. Deuxième proposition, 100. Facteur de moins 1. Troisième proposition, 2. 2 fois 3. 2 exposant 3 fois 5 exposant moins 3. Je pense que c'est ça. Voilà. Allez-y. On peut essayer, chers amis. Ah voilà, Georges Rahuiri qui a déjà la réponse. Proposition, Justine Minsa, vous proposez? Proposition C. Proposition C, et vous? Pareil. Proposition C, c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. La réponse, 1 millième est égal à 10 exposant moins 3. 100 exposant moins 1 est égal à 1 sur 100 égal à 10 exposant moins 2. 2 facteur de 3 fois 5 facteur de moins 3 est égal à 200 qui n'est pas une puissance de 10. Voilà. Donc la réponse C, c'est la bonne réponse. On va prendre la quatrième question. Développer l'équation suivante, entre parenthèses, x plus 2, fermez la parenthèse et ouvrez une autre, x plus 1. Développer l'équation suivante, ouvrez la parenthèse, x plus 2, fermez-la et ouvrez une autre, x plus 1. Merci à vous, Justine Minsa. Proposition Georges Rahuiri. On va commencer par vous, Georges Rahuiri. Proposition. X3. Peut-être pour une fois, vous êtes passé à côté. Hein? Alors, Justine Minsa, vous proposez. X carré plus 3X plus 2. X carré plus 3X plus 2, c'est la bonne réponse. Voilà, alors Justine Minsa marque le point. Vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous, c'était simple, hein? Il fallait faire X plus 2 et X plus 1 qui devait notamment vous donner X au carré plus 3, qui devait vous donner X au carré plus 3 plus 3X plus 2.
Voilà, merci. Dernière question pour cette deuxième série. Combien font racine carrée de 144 plus racine carrée de 9 plus racine carrée de 25? Combien font racine carrée de 144 plus racine carrée de 9 plus racine carrée de 25? Combien font racine carrée de 144 plus racine carrée de 9 plus racine carrée de 25? Merci à vous. Proposition Justine Minsa. Proposition Georges Rahuiri. Voilà. Mais ils ont essayé quand même. Hein. Ça mérite des applaudissements, s'il vous plaît. Ils ont essayé quand même. Voilà. Mais allons voir la réponse. Qu'est-ce que vous proposez? 78. 78. Et vous? 20. 20, c'est la bonne réponse. Et c'est Justine Minsa qui marque le point. La racine carrée de 25 est égale à 5. Et certainement, on devait faire 12 plus 3 plus 5. Ça devait donner 20. Alors, en attendant les résultats, Bill, vous êtes satisfait par vos résultats personnels? Oui. Alors, et pour vous, chers amis de Georges Rahuiri, quels sont vos sentiments? On n'a aucun sentiment parce que ce n'était pas encore trop à notre niveau. Donc. C'était pas trop à votre niveau. Merci le jury pour le résultat. Monsieur Mezui, professeur d'anglais au lycée technique Jean-Philippe Otando. Résultat, première série, deuxième série, incollable. Le résultat, c'est égalité de tous les côtés. Georges Rahuiri comme Justine Minsa marquent 3 points. Donc c'est cela le score de cette deuxième manche. Tapez les mains très très fort pour les deux équipes qui s'en sortent plutôt avec un score de parité. Merci à vous chers amis, on se retrouvera dans un instant. Le temps pour nous de prendre une autre articulation de cette belle aventure, c'est l'épreuve sportive. Nous avons notre ami Yann, ça va Yann? Yann qui représente l'équipe Georges Rahuiri et de l'autre côté nous avons Terence qui représente l'équipe Justine Minsa. Ça va Terence? Oui, ça va. Alors le principe est simple, l'épreuve retenue pour ce numéro 1 est le jonglage. Vous avez la possibilité de vous amuser avec la balle sans toutefois sortir de ce tapis, d'accord? C'est ça le principe, amusez-vous comme vous pouvez. Et le ballon est permis de se retrouver au sol deux fois, donc vous pouvez le laisser tomber deux fois, mais pas plus de deux fois. Alors, c'est celui qui aura passé plus de temps avec la balle, du moins, qui aura le plus jonglé, qui sera le gagnant. Le jury, c'est bon? Voilà, le plus grand, allez-y. Alors, chers amis, on va décompter de 5 à 0. On y va, tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Alors, encouragez-le. Il s'appelle Terence. Il compétit pour le compte de l'équipe Justine Minsa. Une fois, Terence, récupérez le ballon. Voilà, encouragez Terence pour cette séquence épreuve sportive. Terence est compétit pour le compte de Justine Minsa. Merci à vous, Terence. On va donner la possibilité à Yann, lui aussi, de s'exprimer. Yann, on va décompter avec le public, Yann. On y va, tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti, Yann. Allez-y, Yann, allez-y. C'est pas perdu. Essayez encore. Voilà, merci, 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 Yann. Envoyez la balle. C'est pas grave, Yann. Vous n'avez pas démérité. Merci à vous. Le jury pour le résultat. L'équipe Justine Minsa a réalisé 14 jonglages au premier tour et 29 jonglages au second. L'équipe Georges Rahuiri, 4 jonglages au premier et un seul au second. Donc c'est l'équipe Justine Minsa qui remporte la partie. Justine Minsa qui remporte la première séquence consacrée aux épreuves sportives. Et tout de suite nous allons inviter nos amis pour la deuxième série sportive. Voilà. Alors, le principe est simple, ce ruban est à l'axe,
l'axe de ces deux points blancs, celui qui aura ramené le ruban de son côté, c'est celui qui aura remporté la partie. Si vous le ramenez après de votre côté, vous aurez remporté la partie et vous également. Chers membres de jury, le principe est compris. On va aller, on va décompter tout le monde. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Voilà, merci, 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 c'est bon. C'est bon, chers amis. Merci, merci, merci. Peut-être renvoyer la parole, si tout est prêt du côté du jury, pour le résultat, deuxième série, épreuve sportive. C'est un peu difficile, on va finir par délibérer. Mais en même temps, je veux me faire le devoir de m'exprimer dans la langue de Shakespeare pour essayer d'amener les uns et les autres à s'intéresser un peu plus à cette langue. Ouais. So, concerning this second part, we had two interesting results. So, the results were tough to deliberate. So, we have 3 for Justin Minsat team and 4 for George Rawiri team. So, in this second part of this proof, we have the team of Justin Minsat that wins 6-5. Second party. Yeah, second part. Mesdames et messieurs, tapez les mains très très fort pour Justin Minsat qui remporte l'épreuve sportive de ce numéro de Challenge Jeune. Merci à vous. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons passer à une articulation très très capitale, très importante et même indispensable, car nous pouvons tout oublier dans notre conducteur, mais on ne peut pas remettre de s'arrêter en ce moment précis pour essayer de sensibiliser les uns et les autres sur un certain nombre de mots auxquels notre jeunesse est confrontée. Nous vous prions d'acclamer très très fort pour Claude qui viendra pour la sensibilisation. Et pour le compte de Georges Ramiri, nous allons inviter Carlin. Voilà, tapez les mains très très fort pour Carlin. On va commencer par Carlin. Mbolo, Carlin. Allez-y, on vous écoute. Lorsque l'on vous parle de la tradition, de l'importance de la tradition, et lorsqu'on s'appuie sur le cas des langues maternelles, pour vous, quel commentaire faites-vous de la nécessité de connaître sa langue maternelle et de l'importance que celle-ci occupe dans la vie de tout un chacun? La langue maternelle, elle est très importante parce qu'il y a d'autres qui changent de pays et une fois qu'ils viennent au village, bah, ils oublient tout. Mm-hmm. Et comme ma grand-mère me le dit toujours, c'est un trésor. C'est un trésor, la langue maternelle. La langue maternelle est un trésor. Tapez les mains très très fort pour Carlin, s'il vous plaît. La langue maternelle est un trésor. Et qui dit trésor, dit protection, préservation, valorisation. Merci à vous, Carlin. Et pour vous, Claude, qu'entendez-vous par langue maternelle? Mbolo aussi? Mboloane. Mm. Pour moi, la langue maternelle, je trouve que c'est très important. Mm-hmm. Car dans nos villages, souvent, très souvent, quand un griot raconte une histoire, il ne la racontera jamais en français. Ouais. Il la raconte toujours dans la langue. Si vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas comprendre l'histoire. Mmh. Ensuite, je dis aussi que quand on apprend une langue étrangère, comme le français, l'espagnol ou l'anglais, mmh, et qu'on oublie sa propre langue, on oublie sa culture. Mmh. Donc moi, j'incite tous les jeunes comme moi à ne pas oublier sa culture et à apprendre sa langue maternelle. Ouais. Voilà. Merci. Tapez les mains très, très fort pour eux. Et maintenant, si je vous demandais aujourd'hui, à travers cette émission, si vous avez un message à passer à nos plus hautes autorités visant notamment à vous donner la possibilité d'apprendre les langues maternelles, quelle proposition feriez-vous concernant la préservation et la valorisation de nos langues maternelles? Quel élément, quelle solution proposez-vous pour impliquer les jeunes dans la valorisation de nos langues maternelles? Claude. La proposition que je ferais au gouvernement, c'est d'abord de trouver un moyen de montrer aux jeunes que nos langues maternelles sont toujours d'actualité. Mmh. Après avoir fait ça, je les proposerai d'ouvrir des centres dans les écoles, des centres après les cours normaux, d'ouvrir des centres pour apprendre nos langues maternelles. Mmh. Alors, formulez-nous une phrase quand même en votre langue. C'est quelle langue déjà? Mienne. Voilà, langue au Mienne. Allez-y, formulez pour nous une phrase. Makoto Nunja. Traduction? J'ai faim. Merci.
Mais on espère que vous n'avez pas faim, Claude. Non, je n'ai pas. Ah, ok, voilà. Carla, vous êtes de quelle ethnie? Quelle langue parlez-vous? Mianais. Au Mianais. Allez-y, formulez une phrase pour ce public. Wéré sovunaneno. Traduction. Tu ne te laves pas aujourd'hui. Merci. Tapez les mains très, très fort pour eux. Mesdames et messieurs, le temps pour nous d'inviter sur ce plancher notre psychothérapeute, monsieur François d'Assise Moulongui. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Rebonjour à vous, monsieur François d'Assise. Bonjour, Pablo. Alors, lorsque l'on parle de l'importance de la tradition orale, le cas des langues maternelles, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, écoutez, ça veut dire que toute notre identité, d'accord, tout ce que nous sommes se transmet par le canal de la langue. Vous comprenez? Et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Les jeunes ont été assez clairs, d'accord. La langue, c'est notre existence, c'est notre identité, c'est notre appartenance, en même temps à un État, dans un premier temps, une collectivité, une ethnie, un clan, et j'allais dire une nation, lorsque on a une langue nationale, bien entendu. Voilà. Alors, M. Moulongui, aujourd'hui, quel est le constat sur le terrain, sur l'importance de nos langues maternelles? Ben, ce que nous constatons, malheureusement, c'est qu'il y a une disparité. C'est-à-dire que nous avons des groupes qui préservent, qui savent préserver, ou les familles savent préserver la langue, d'accord? Et donc, ces groupes sont très distincts, on les reconnaît facilement. Et dans ces groupes, on trouve, bien entendu, le plus de jeunes qui travaillent mieux et qui s'expriment mieux que certains autres groupes qui ont tendance à s'occidentaliser, à se métisser. Et donc, la tendance, c'est à la disparition, malheureusement. Alors, peut-être un message de fin concernant notamment l'importance et la préservation et la valorisation de ces langues maternelles. Oui. Jeunes gens, vous qui êtes l'avenir de notre pays, sachez que le développement se pense à travers la langue. Vous êtes effectivement le projet que l'État formule de voir notre pays atteindre des dimensions de développement. On parle de 2025, ouais. Mais il faut se projeter au-delà de 2025. Que sera le Gabon en 2100? D'accord, c'est grâce à vous, c'est grâce à nous tous. Et donc, il est important pour chacun d'entre nous de comprendre, d'aller vers les bibliothèques que sont nos vieux, les grands-parents. Nos grands-parents sont détenteurs d'une connaissance linguistique qui nous est importante pour l'avenir de notre pays. Donc, aux autorités, bien entendu, donner aux structures, au ministère de la Culture, aux établissements scolaires, enfin, au ministère de l'Éducation nationale, pardon, des possibilités, effectivement, de développer des programmes dans ce sens-là. Et on valorise aussi la culture à travers la langue. Et la langue, c'est ce qui nous distingue, bien entendu, des autres. Lorsqu'on rencontre des autres qui ne sont pas de notre ethnie ou qui ne sont pas de notre pays, eh bien, nous leur faisons connaître notre originalité à travers, bien entendu, notre langue. Merci infiniment, monsieur François d'Assise Moulongui, dont je vous prie d'acclamer très très fort, sans toutefois vous offenser, peut-être vous demander de prononcer aussi un mot, pourquoi pas. Menibo aussi pour nous. Bobaba pour nous, tabé ou lou. Et pour nous. Et pour nous, et que. Ukutiemu, itiemu. Kabo, ban, bot, baba pour nous. Wendano, et là, baba karbe, nous, bak du tingul. Traduction, vous êtes pour nous. Traduction, oui. Je suis pour nous. Et la langue pour nous est une des langues les plus menacées de disparition. Je le dis parce que je sais un rayon. Donc, allez, jeunes gens, vers vos grands-parents pour apprendre à parler les pour nous. Un message assez fort. Merci à vous, monsieur François d'Assise Moulongui. Accompagnez-le avec vos acclamations, s'il vous plaît. Merci. Tout de suite, nous intéressons à la dernière partie incollable de ce numéro de Challenge Jeune. Mesdames et messieurs, nous allons inviter nos candidats qui viendront rivaliser cette fois d'intelligence pour la troisième et dernière fois.
Georges Rahuiri, une victoire, un match nul. Comment est-ce que vous vous sentez pour cette troisième partie qui devrait notamment pouvoir vous départager? Alors cette fois, c'est Emmanuel qui parle. On se sent bien et on cherche encore à gagner cette dernière manche. Voilà, merci. Tapez le main très très fort pour Emmanuel qui reste optimiste. Alors, Bill pour le compte, non. C'est Jennifer qui va s'exprimer cette fois. Jennifer, une défaite, un match nul. Nous sommes rendus à la troisième phase. On espère remporter cette troisième phase et donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, justement. Merci à vous de donner le meilleur de vous-même. On va prendre la première question pour le compte de cette troisième phase. Quel pays africain fait l'exception dans le monde avec plus de 63% de femmes à la Chambre des députés? Première proposition, le Rwanda. Deuxième proposition, l'Afrique du Sud. Troisième proposition, le Sénégal. Merci à vos propositions. Alors, on va commencer par Justine Mensa, proposition. Le Rwanda. Le Rwanda, proposition Georges Rahuiri. Nous proposons le Rwanda. Le Rwanda, et c'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. Le Rwanda est le seul pays africain dont le Parlement est majoritairement composé de femmes. Sur les 80 sièges que compte le Parlement rwandais, 51 sont occupés par des femmes. C'est ce qui ressort des conclusions du rapport du Forum économique mondial sur les inégalités hommes-femmes paru le 15 février 2016. Une exception africaine et internationale qui s'inscrit dans un contexte global de féminisation progressive de la vie politique. Deuxième question, troisième série incollable. La sûreté et la sécurité sont, première proposition, antonyme. Deuxième proposition, synonyme. Troisième proposition, homonyme. La sûreté et la sécurité. La sûreté et la sécurité sont, première proposition, antonyme. Deuxième proposition, synonyme. Troisième proposition, homonyme. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, Georges Rahuiri, proposition. Ce sont des antonymes. Des antonymes. Proposition, Justine. Ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes. Les antonymes, c'est la bonne réponse et c'est Georges Rahuiri qui marque le point. Un antonyme est un mot ayant un sens contraire à celui d'un autre. La sûreté est de façon générale un état de protection contre le danger ou les menaces, à la différence de la sécurité qui, elle, est la condition de protection contre les défauts, des dommages, des erreurs à caractère physique, financier, politique, émotionnel et psychologique. Troisième question, comment appelle-t-on la figure de style présente dans cette réplique tirée de Tartuffe de Molière? Je l'ai vu, dis-je vu de mes propres yeux. Première proposition, une périphrase. Deuxième proposition, une assonance. Troisième proposition, un pléonasme. Comment appelle-t-on la figure de style présente dans cette réplique tirée de Tartuffe de Molière? Je cite, je l'ai vu, dis-je vu de mes propres yeux. Première proposition, une périphrase. Deuxième proposition, une assonance. Troisième proposition, un pléonasme. Merci. Merci. Alors, Justine, Minta, vous proposez? C'est une périphrase. Une périphrase. Alors, Georges Rahuiri, vous proposez? C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Et c'est la bonne réponse. C'est Georges Rahuiri qui marque ce point. Un pléonasme est une répétition dans un même énoncé de mots ayant le même sens, soit par maladresse, par exemple, descendre en bas, monter en haut, soit dans une intention stylistique, telle que l'exemple ci-dessous,
Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu. Voilà. Alors, quatrième question pour cette troisième série Incollab. Quelle est cette figure de style qui consiste à souligner une idée au moyen d'une expression exagérée? Quelle est cette figure de style qui consiste à souligner une idée au moyen d'une expression exagérée? Merci à vous, chers amis. Proposition. Rawiri, là, c'est pas votre niveau. Alors, proposition, Justine. Ça aussi, c'est pas votre niveau. Alors, il fallait tout simplement dire l'hyperbole. L'hyperbole, c'est donc cette figure de style qui consiste à souligner une idée au moyen d'une expression exagéré. Cinquième et dernière question. Parmi les animaux ci-dessous, un seul n'a aucune chance de se trouver au Gabon. Parmi les animaux ci-dessous, un seul n'a aucune chance de se trouver au Gabon. Lequel? Première proposition, le crapaud buffle. Deuxième proposition, l'ornithorynque. Troisième proposition, l'agouti. Lequel de ces animaux n'a aucune chance de se trouver au Gabon? Première proposition, le crapaud buffle. Deuxième proposition, l'ornithorynque. Troisième proposition, l'agouti. Merci à vous, Georges Rawiri. Merci. Merci. Voilà. Alors, vous proposez? L'ornithorynque. L'ornithorynque. Et vous? L'ornithorynque. L'ornithorynque. C'est la bonne réponse. Les deux équipes marquent le point. L'ornithorynque ou encore Ornithorynchus anatinus est un animal semi-aquatique endémique de l'est de l'Australie, y compris la Tasmanie. Cet animal n'a aucune chance de se trouver au Gabon malgré la richesse de notre faune, on ne pourra pas facilement espérer la voir un jour. Merci à vous, chers amis. Nous sommes donc arrivés à la fin de la rubrique baptisée Incollab. Peut-être un mot de fin quand même, un mot de fin pour vous qui avez participé. Voilà, on écoute. Regardez votre caméra là-bas. Nous sommes contents d'avoir participé à cette émission et nous avons aussi pu apprendre beaucoup de choses. Voilà, tapez les mains très très fort pour eux, cher public. Il faut rappeler que ces enfants ne font que la classe de 6e. Voilà, ils arrivent nouvellement au collège Raponda Walker. Alors, chers amis de Justine Mensa, quel sentiment? Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette... Mais même si nous savons que nous avons eu quelques difficultés, mais nous avons quand même aussi appris certaines choses que nous ne connaissions pas. Et nous allons retrouver le jury pour le résultat, troisième série Incollab. Mais pour cette troisième série des Incollables, s'en sortent avec 2 points le groupe Justine Mensa et le groupe Georges Rawiri avec 4 points sur 5. Donc le vainqueur, c'est Georges Rawiri avec 4 sur 5. Georges Rawiri avec 4 sur 5. Tapez les mains très très fort pour Georges Rawiri. Félicitations à vous, chers amis. Voilà. Et surtout, on espère pouvoir se retrouver si jamais vous êtes qualifiés pour les phases finales. Voilà. On va prendre une autre rubrique cette fois de créativité musicale. C'est le karaoké. Pour le compte de Justine Mensa, on invite Florence, Claude, Jennifer qui vont interpréter une chanson de Corneille sous le titre « Parce qu'on vient de loin ». C'est maintenant. Nous sommes nos propres pères, si jeunes et pourtant si vieux, ça me fait penser, tu sais. Nous sommes nos propres mères,
jeune et si sérieux, mais ça va changer. Oh, on passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps vide incertain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Ouh, parala, ouh. Parapapa. Pararapou. Pararapou. Parapapa. Et quand les dents sont dures, on se dit pire que notre histoire n'existe pas. Dans l'hiver perdu, on se dit simplement que la chaleur nous reviendra. Et c'est facile comme ça. Oh, jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors même mon amour, j'aimerais chaque reine comme si c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Oh, oui, chaque jour comme le dernier. Parapapa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa, combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. Pararapou, pararapou, parapapa. Pararapou, pararapou, parapapa. Jour après jour, on voit combien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parapapa. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Parapapa. Combien de fois la fin du monde nous a frôlé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin. On vient de loin. Parce qu'on vient de loin. On vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Tout de suite, nous allons inviter les représentants pour le compte du groupe Georges Ravuiri. On invite Marie et Molva pour le karaoké. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Combien tout est éphémère. Alors même mon amour,
c'était la dernière. L'air est trop lourd quand on ne vit que sur des prières. Moi je savoure chaque instant bien avant que s'éteigne la lumière. Chaque jour comme le dernier, pas la papa. Et vous ferez pareil si seulement vous saviez, pas la papa. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh, oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin. Jour après jour, on va tant bien tout est éphémère. Alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier, voilà papa. Et vous ferez pareil si seulement vous saviez, voilà papa. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh, oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient. Alors on vit chaque jour comme le dernier, voilà papa. Combien de fois pareil tout le monde vous saviez, voilà papa. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Oh, alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. On vient de loin, on vient de loin, parce qu'on vient de loin. Le résultat, karaoké, Madame Mengue, résultat. Le jury souhaite à vous féliciter déjà pour votre participation. Alors je vais demander au public de donner le nom du vainqueur pour le karaoké. Jean-Jean Muri, levez les mains. Voilà, baissez s'il vous plaît. Alors Jean-Jean Muri remporte. Mais Justine Minsa n'a pas démérité. Merci infiniment à vous, Madame Mengue. Merci à vous également. Tapez les mains très, très fort pour les deux équipes. Merci à vous. On se retrouvera. Voilà, tout de suite, on va prendre la rubrique consacrée à la présentation des représentations du concours d'art. C'est maintenant. Voilà, nous y sommes, concours d'art avec bien sûr nos candidats pour le compte de Justine. Et pour le compte de Justine Minsa, nous avons Christophe. Voilà, Christophe qui est là. Oui. On commence par vous. Rebonjour Christophe. Bonjour. Alors, le sujet retenu pour ce numéro était l'importance de la tradition orale, le cas de la langue maternelle. Sur mon tableau, j'ai fait une illustration dans laquelle j'ai dessiné un père et ses 7 fils qui leur montrent la langue maternelle pour... apprendre un père et ses 7 fils. Oui. Oui. Et comme il n'y a rien de plus que d'apprendre la langue dans les forêts, dans le paysage, dans autour de la mer, au village. Pourquoi je vais représenter un coucher du soleil, un père avec ses enfants, tout du feu qui arrivait à quoi. Voilà l'identité même du Gabon avec bien sûr ce Gabon vert, avec bien sûr ses différents coups d'eau. Mais finalement pour vous, quel message faut-il retenir de cette représentation, Monsieur Christophe ? Les enfants qui n'ont pas des parents, d'après mon illustration, qui peut s'initier à demander à leurs parents d'apprendre plus la langue de leurs parents pour s'aider, pour plus apprendre après demain et parler avec les anciens. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour Christophe qui représente le groupe Justine Minsa. Le message est clair pour vous qui avez encore la possibilité d'être auprès de vos parents. C'est le moment d'en profiter. Alors, qu'est-ce que vous avez réservé pour nous, Abraham ? J'ai dessiné un homme, un conteur avec des enfants du village autour, un tour de feu. Mm-hmm. Les autres enfants, j'ai colorié à part ces deux-là. Mm-hmm. Ça veut dire que ces deux enfants n'écoutent pas l'histoire du jeune conteur. Mmh. Donc, j'aimerais dire aux enfants d'écouter les parents plus souvent, de comprendre les langues paternelles et maternelles. Écouter les parents et respecter les parents, c'est le message d'Abraham à travers cette représentation sur la valorisation des langues maternelles. Mesdames et messieurs, tapez les mains très très fort pour lui, s'il vous plaît. Abraham, représentation pour ce qui est du concours d'art.
et le jury pour le résultat concordant. Pour sortir de cette délibération, c'est l'équipe Georges Rawiri qui la remporte avec 7,50 sur 7,33 contre 7,33 pour Justine Minta. Tapez les mains très très fort pour Georges Rawiri et également pour Justine Minta qui n'a pas démérité d'ailleurs. Félicitations à vous chers amis. Le groupe de percussion afro-brésilienne du lycée Victor Hugo qui porte l'estampille de Goma Tambor sous vos acclamations s'il vous plaît. Thank you.
Voilà. Merci une fois de plus. Merci encore. Merci. Alors, Claude, c'est terminé pour ce numéro. Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction. Ouais. Parce que je pense parler au nom de mon équipe. Nous sommes venus ici dans le but de nous divertir, de nous amuser. Nous sommes venus, nous nous sommes divertis, nous nous sommes amusés. Et nous attendons le résultat. Voilà, merci. Tapez les mains très très fort pour l'équipe Justine Minsa, représentée par Claude. On va réécouter cette fois Carlin, qui est le représentant de Georges Ravuiri. Carlin, quelles sont vos impressions? On a été très contents de participer à cette émission Challenger et nous attendons aussi les résultats. Alors, quel a été votre petit secret, Carlin? Donnez-nous ce petit secret qui pourra aider les autres candidats à la maison. Quel a été votre petit secret? Bah, on travaille et on a toujours... En fait, on étudie des livres qui ne sont pas encore trop de notre niveau. Voilà. Alors, à qui est-ce que vous devez votre victoire, si jamais elle est la vôtre? À qui est-ce que vous devrez votre victoire d'aujourd'hui? Chacun de nous doit devoir sa victoire à nos parents qui nous poussent toujours à étudier. Voilà. Tapez les mains très, très fort pour eux, s'il vous plaît. Et nous allons tour à tour inviter nos différents membres de jury pour le résultat final, commençant par M. Menzui, sous vos acclamations. Il est professeur d'anglais au lycée technique Jean-Fidèle Otando de Port-Gentil. Voilà, M. Menzui. Et puis, nous allons inviter par la suite Mme Mengue, qui est représentante de l'association AWE, une association qui officie dans la protection et la préservation de l'eau, qui est un liquide précieux. D'où la présence de notre goutte d'eau sur ce plateau, Monsieur François d'Assise Moulougui, qui est psychothérapeute. Voilà. La goutte d'eau. La goutte. Alors, Monsieur Medjoui, c'est terminé pour ce numéro. Si l'on vous demandait de coller un commentaire au déroulement de ce numéro de Challenge, quel serait-il? Le commentaire serait un commentaire satisfaisant. C'est un plaisir renouvelé pour moi que d'accompagner l'équipe Challenge dans ce challenge, permettez-moi du pléonasme. Si ce n'est aussi que d'encourager tous les participants et ceux-là qui hésitent souvent à venir se présenter devant, leurs camarades. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut prendre votre courage. On sait qu'en dehors des talents qu'on a vu s'exprimer ici, il y en a d'autres qui sont cachés, qui sont timides, qui sont latents. Prenez votre courage, c'est très important de participer à ce genre d'activité parce que ça suscite beaucoup d'émulation au sein de l'établissement. Merci infiniment à vous, M. Medjoui. Alors, Mme Mengue, c'est terminé pour ce numéro. Et si l'on vous demandait, quelles sont vos impressions pour vous qui avez été dans ce jury? Quelles sont vos impressions? Je dis félicitations à tous les participants et j'encourage les autres élèves à s'intéresser à ce type d'émission. Merci à vous et merci également à vous, Madame Mengue. Maintenant, le résultat final. Monsieur Moulougui, quand même, peut-être un mot de fin rapidement. Non, au risque de me répéter, je souhaite en tout cas à cette caravane beaucoup de chance, de soutien de la part des autorités pour qu'elle devienne, je le souhaite, nationale. Merci encore une fois de plus à vous. Alors, Monsieur Medjoui, le résultat final. L'équipe de Justine Minsa, moyenne totale 11,57. Et l'équipe de Georges Ravuiri, moyenne totale 15,17. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur Medjoui. Félicitations à l'équipe Georges Ravuiri. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cet autre numéro de Challenge. Mais le plus important, c'est de rester fidèle à votre chaîne préférée en espérant qu'on se retrouvera sur ces mêmes antennes la prochaine fois pour un autre numéro. Merci à la grosse équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation. Merci à nos partenaires Canal Delta, Top Benjamin, Mistra Classic, le studio Mistra Classic et bien sûr tous les bénévoles qui travaillent autour de ce projet. Ici à la, portez-vous bien et surtout ne l'oubliez jamais, Challenge, c'est un jeu, mais c'est aussi un défi.